Au Théâtre National de Nice, une pièce de théâtre ce soir. Il y a tout le groupe de la CFA, il y a un pro aussi, ouais, Vincent Cosiello. Donc, ouais, franchement, il est demandé, je l'ai vu avec les petits là, quelques autographes, tout ça, c'est bien. On est venu pour voir la pièce de théâtre et ça nous fait très plaisir d'être là. Sur Cosiello. C'est un joueur de Nice. Il est jeune comme nous, il est bon et il marque des buts. Là, on vient juste d'arriver, on a découvert le décor et puis ça se remplit petit à petit. Ah, c'est différent, c'est pas le même domaine. Oh, tu veux un disque? On a fait notre avant-première de point d'interrogation et qui est donc soutenue par cette association ce soir. Et puis ce qui donne en fait à nos parrains l'occasion de venir. Plein de questions sur le futur, de quoi il sera fait, est-ce qu'on mangera des pilules, des questions un peu comme ça. Des petites apartés sur l'école, plus tard sur le football un peu. Ce sera la nature demain, que sera la télévision, la publicité. Et c'était une belle mise en scène. Donc venez au Théâtre National de Nice du 18 au 26 novembre. Je fais un peu de pub. Vraiment, j'ai passé un super moment. Donc comme il a dit, vraiment, venez si vous avez l'occasion de venir voir cette pièce. Ah, en plus, là, bon, il y a eu un petit clin d'œil sur l'OGC Nice. J'ai bien aimé cette petite séquence en italien là, sur le foot à l'OGC Nice. C'était pas un but de Cosiello, mais ouais. Il y avait Cosiello dans l'action. Il était là. Avant-dernière passe, maintenant, on dit que c'est super important. Voilà, quoi. C'était très intéressant pour eux, déjà qu'on partage un moment ensemble et puis de voir ce qui se fait aussi en dehors du football. Et donc on a eu l'agréable surprise aussi d'avoir les témoignages de Vincent et d'autres sportifs qui ont parlé de leur sport. Ben, je suis assez passionné du gym, quoi. Donc j'allais au stade quand t'es encore en Ligue 2 au rail, donc du coup là, d'avoir Monsieur Cosiello à côté de moi, c'est voilà quoi. Puis d'autres champions. Hein. La relation qu'il y avait entre les parrains qui étaient des sportifs et la pièce de théâtre, je crois que c'était sur le dépassement de soi. Christophe Pina nous a parlé de son engagement lorsqu'il s'entraîne. Vincent Cosiello, ben, c'est un tout jeune joueur et il nous a parlé de son travail régulier au sein de son équipe, de la cohésion, de pourquoi ils sont premiers aujourd'hui. Il y a un vrai lien entre le sport, le théâtre, la culture. C'est des gens qui sont passionnés. Ce soir, on l'a vu, on a pu les mixer et ça a bien fonctionné.